Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, c'est un vlog vraiment excitant parce que je m'en vais à Québec. En ce moment, je viens de partir de chez moi et je suis en direction pour aller chercher mon amie Amélia que je pense que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Vous allez la reconnaître, le mec, qu'elle apparaît. C'est vraiment excitant aujourd'hui parce qu'on s'en va à Québec. Parce que je prête mon linge Colton pour un défilé de mode. Fait que je suis genre vraiment, vraiment, vraiment excitée. Là, il est 8h15. Faut être là pour midi pour faire l'essayage. Puis quand l'essayage va être fait, on va aller se promener à Québec. On va aller manger au resto. Puis dans le fond, le défilé il est juste à 7h30. Fait que, en tout cas, je suis vraiment excitée de... Je suis vraiment énervée. Je suis trop contente. J'ai hâte de voir. Puis en tout cas, je vais tout vous filmer ça. Fait que... C'est ça, je vais vous reparler tantôt! Attends, je vais enlever mon masque. Laisse mes travailler. Ah oui, il fait chaud. On a 3 heures de retraite. Ah, je sais. Donc, genre... J'étais avec Amélie! Allô! Donc, on s'en va. Ben, je viens d'aller la chercher, puis on se dirige vers Québec. Ouais. Puis ça dit que ça prend 2h40 d'ici. Pas si pire, là. On a nos petits cafés, on est prêts pour la route. Mais là. Puis on espère que. Il y a une civique. Ouais, il y a une civique dans mon. Déroule le rebord à suivre. Fait que on s'en reparle plus tard. So come and hide, hide. Fait que là, on est arrivé à l'hôtel. Il y a l'essayage. Pour la défiche. On est rendu à l'essayage. Est-ce que tu veux passer? Fait que c'est ça, j'estime le linge. Les mannequins ont essayé mes kits. Fait que on est juste dans la l'essayage. Fait que ça a super bien été, genre, c'est full top notch. Les gars sont beaux, les filles sont belles. Vraiment, ça leur fait full bien. Fait que on a bien tombé. Là, ils sont en général, en ce moment. C'est fucking beau le tapis rouge, j'aime. Donc, nous sommes maintenant dans le vieux Québec. On se promène. Un peu froid, mais plus froid qu'à Montréal, on dirait. À matin, il faisait plus chaud, mais il faisait beau. À Montréal, il faisait genre full soleil. Ouais. Là, arrivé ici, il faisait vraiment gris, mais... Ouais, c'est pas grave. Au moins, il mouille pas, puis il neige pas, là. Ouais. Fait que... la bonne lumière. Ouais. Fait qu'on a pris quelques petites photos Instagram. Ouais, en petit chandail, il faisait froid. Fucking. Puis, ça va être beau. Là, on cherche un petit resto cute. Ou un petit café, quelque chose pour manger. Fait que... C'est ça. Le défilé est à 7h30 ce soir. Ouais, puis il faut être là pour 6h30. Il y a un genre un cocktail d'ouverture. Fait que on va être là pour 6h30. Ouais. Puis c'est ça. Fait que là, on va manger et se promener dans le vieux Québec. Donc nous sommes rendus au resto. C'est quoi le nom? J'ai oublié. C'est le bistrot 1640. Ah oui. On s'est commandé des petits drinks. Des petits drinks. On est fancy aujourd'hui. Oui, on est fancy. On sentait wild. On sentait wild. Cheers!
Donc, on a pris une pizza fromage, tomate. Fromage, tomate, ouais, fromage, tomate. J'ai un pokéball. Pokéball, genre, il a l'air délicieux. Ouais, ça a vraiment l'air bon. Ouais. Donc, bon appétit. Bon appétit. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. Gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel. Donc, petit update. Petit update, on a droppé la caméra à terre comme jamais. Oh my god, j'ai tellement eu peur, sérieux, mais elle est tombée du côté de l'écran et non de la lentille. Là. Ouais. Fait que je pense que c'est moins pire, mais sérieux, j'ai vraiment. J'étais pas bien, là. J'étais encore un peu pas bien, mais. Ça va aller, ok. On a comme peur de découvrir quelque chose. Ouais, genre le micro est un peu chippé, là, mais en tout cas, ça va être correct, là. C'est pas grave. Mais, ouais, là, il est rendu genre 3h30. Puis, on a marché un peu, on a fini de manger, on a repris des photos. Ouais. Puis, parce que c'est quand même cute tout ce qu'on est stationné, là. Genre le petit coin cute. C'est vraiment cute, ça. Genre, j'ai mis une photo sur Instagram que j'ai pris au coin, là. Puis, c'est ça, fait que là, le faut juste être là-bas pour comme 6h, 6h30. Fait qu'on a encore du temps à comme pouvoir se promener puis tout ça. Fait qu'on va retourner parce que là, j'avais 5% dans mon sel. Il est rendu à 9. Fait que j'ai changé un peu mon sel, puis c'est ça. Donc, toi, ça va tes photos? Ouais, choisi c'est quand même beau finalement, ça donne des belles affaires. Genre, vu que c'est des lives, je peux comme choisir la pose que je veux. Genre, que fait tu veux, c'est genre. Comme, c'est parfait ça. Ouais. C'est cute. Ça, on aime ça. Ça se passe. Amélia Lefebvre 18 sur Instagram. Oui, je vais mettre son live là, son Instagram. Vous irez la follow. Parfait. Ah, mais full des belles photos pour elle. For real. Fait que, for real. Yeah. Ok. C'est ça. On va vous updater tantôt puis on va vous filmer le show. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte de voir le monde défiler avec mon linge, c'est juste trop nice. Fait que c'est ça. Ok, à plus les amis. Donc, petit update. Uh-huh. On est allé chercher un café. Se réchauffer parce qu'il fait vraiment froid. Ouais. On n'est pas tant bien chaud. Non. C'est au café Smith, hein? C'est ça? Ouais. Ouais, il n'y a même pas le nom, c'est Smith. Ouais, quelque chose comme ça. C'est bien cute. Ouais, trop cute. Ça a l'air bon, on est en plus. À vous, hein? Les macarons. Ouais, miam. On va aller prendre d'autres photos dehors. Fait qu'on va aller se geler pour une autre demi-heure et après, ça va être pas mal l'heure bientôt de s'en retourner au défilé. Fait que, à plus! Donc, nous sommes maintenant dans les coulisses du défilé. Donc, si vous pouvez voir, quelle heure il est, genre 6h et 6h15. Ouais, 6h15, c'est très fort. Ouais. Fait que, on avait envie de vous montrer nos outfits of the night. Ok. Ok, Amé, tu veux y aller? Ouais. Ben, moi, je porte juste une chemise. Sérieux, j'ai aucune idée de où vient mon linge. Non. Ça, c'est les pantalons du garage. Ça, ça vient de ma soeur. Tu garderas par ma soeur. Fait que, shout out Florence. Ça, c'est vraiment vieux. Sérieux, je pense que j'avais acheté ça au Yellow il y a genre 3 ans. Les bottes? Ouais. C'est pas mal ça. Fais-le un petit tour, là, sur toi-même. Tombe donc. Woohoo! Outfit! Ok, donc moi, représente la marque, bien sûr. Chandail, ça va être un crop top qui va être revenu sur ma petite en ligne. Il est-tu manche long? Ouais, non, il est manche court. Ouais. Avec ça qui vient du Vero Madame. Et puis mes jeans du American Eagle, genre mom jeans, trop la vie, genre sérieux. J'ai mes petits Steve Madden's qui sont vraiment décrissés, mais ils sont vraiment sympas. Donc, il y a environ 7h, les portes ouvrent à. Non, il est 6h30, les portes ouvrent à 7h.
Ouais, il y a des fêtes assez techniques. Uh-huh. Non, oh. Carlton Clothing a été créé par Amélie Martin dans le but d'habiller autant les hommes que les femmes. La marque se veut unisexe pour offrir des vêtements confortables et abordables pour tous. La mission de la boutique est d'offrir des vêtements modernes, de qualité et pouvant convenir à tous. Donc, hello la gang, ouais. Nous sommes dehors dans un petit, foyer. Je sais pas, hein? Il est 9h20. 9h20, le défilé vient de terminer. C'était vraiment bon. Comme vous avez vu la dernière séquence, dans le fond, j'ai juste filmé moi, parce que sinon ça aurait été trop un long vlog, puis comme je voulais mettre l'enfant sur moi, là, sur ma marque. Fait que, ouais, c'est ça. Vraiment, pour vrai, c'était quand même diversifié en plus. Pour vrai, il y avait ouais. Des trucs de sport, il y avait des trucs qui faisaient comme plus full fashion. Ouais. Des affaires plus féminins, genre. Mais ça avait quand même rapport. Il y avait des trucs qui n'avaient pas rapport, genre bisous, que ça n'avait pas rapport. Ouais, c'est ça. Mais, comme... mais sinon, genre, c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça. Puis comme, on est passé les dernières. Ouais. Mais comme, les meilleures pour la fin, comme on c'est dit. Puis au début, j'étais genre, ok, c'est long, je suis la dernière, mais après ça, j'étais ouais. Comme, qu'est-ce qu'on se rappelle le plus dans la soirée? C'est le dernier qu'on la a finale. Vu, genre. Fait que ça va marquer les gens, ils vont faire « Ah oh ouais, Carlton! » Fait que, en tout cas, c'était vraiment cool, puis c'est ça, on là. On est fatigués. Ah ouais, on a trois heures de route. Je peux pas te parler tant je suis brûlée. Ouais. 3 heures de route à faire, puis on est levé depuis genre 6 heures à matin, là. Ouais. Fait que c'est genre une méchante grosse journée. Mais c'était la productivité. Ouais, puis que, ouais, on a pris plein de photos, journée. Genre ouais. On s'est promené dans le Vieux-Québec, c'était vraiment cool. C'était vraiment « Ah, oh, sérieux, j'en referais ça, genre n'importe ouais. Quand. » Fait que, c'est ça, on va vous conclure le vlog ici, hein? Parce que sur moi, j'oublie tout le temps de conclure mes vlogs. Petit peu comment c'est beau. Regardez ça. Avec une vue sur un stationnement. Sur un parking, mais... C'est pas une nice vue, finalement. Non, c'est ça. Mais, ouais, fait que, c'est ça, je vais conclure le vlog ici, puis merci à May d'être venue avec moi. Ça fait plaisir. Fait que, on se revoit dans un prochain vlog. Puis Amé va peut-être se passer une chaîne ouais. YouTube. Fait que sérieux, allez. Ça, la gang. Ouais, sérieux. Ça genre, ouais. Puis allez la suivre sur Instagram. Je mets son Instagram là. Puis genre, ouais. Pour vrai, encouragez-la. Genre, dites-lui d'aller faire une chaîne YouTube. Pour vrai, ouais. Genre, ça va être fou. Fait que, bye la gang. Bye. What you gonna, do with that dessert? Do what, do I do that, do what, do that.